الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد Continue la lecture et la traduction du livre Al-Mulakhas fi sharh kitab tawhid de يقول المؤلف رحمه الله باب ما جاء ان الغلو في قبور الصالحين يصيرها اوثانا تعبد من دون الله روى مالك في الموطا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد L'auteur l'imam Muhammad ibn Abd al entame le chapitre de ce qui est rapporté dans le fait que l'exagération à l'égard des tombes des vertueux est un fait qui ou est une chose qui fait qui rend ces tombes des vertueux comme des divinités qui sont adorées en dehors d'Allah. L'imam Malik rapporte dans son livre al Muatta que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah, ne fais pas de ma tombe une divinité adorée. Puis il a dit alayhi wa sallam, la colère d'Allah est grande envers un peuple qui prend les tombes de ses prophètes comme des lieux de prière. <médiaque> لما حذر في الباب الذي قبله من الغلو في الصالحين اراد ان يبين في هذا الباب ان الغلو في القبور وسيله الى الشرك المضاد للتوحيد وذلك بعباده الاموات كما اراد ايضا التحذير من الغلو في القبور le contexte de ce chapitre dans le livre du l'auteur mis en garde dans le chapitre précédent de l'exagération à l'égard des vertueux, il a voulu montrer dans ce chapitre que l'exagération dans les tombes est un moyen qui amène au polythéisme, ce même polythéisme qui contredit le Tawhid. Et ceci amène à adorer les morts, comme il a voulu également montrer dans ce chapitre الانترديكسيون ولميزان قارد كونتخول ليكزاجيراسيون آلي قارد تومب ترجمة الإمام مالك هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن مالك بن أبي عامر الأصبحي إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة توفي سنة تسع وسبعين ومائة رحمه الله تعالى اللهم منادى مبني على الضم في محل نصب والميم المشددة زائده وثنا هو المعبود الذي لا صورة له كالقبور والاشجار والعمد والحيطان والاحجار ونحوها. لا Présentation de l'imam Malik, Rahimahullah, qui est l'imam Malik ibn Anas, ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi, qui est l'imam de la terre des migrations, qui est Médine. Et c'est l'un des quatre imams des écoles réputées qui est décédé, Rahimahullah, en l'an 179 de l'Égypte. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahouma, qui signifie O oh Allah, Ya Allah. Et Al-Munada, normalement, lorsqu'on appelle, euh, Al-Munada, il est Mansoub, mais ici, il est Marfou'a, Allah, Et le mime avec la Shadda a été ajouté. Wathanan, Al-Wathan, c'est ce qui est adoré, mais qui n'a pas d'image, qui n'a pas de représentation. Quand on dit n'a pas de représentation, ce n'est pas une statue, par exemple. Une statue, on l'appellerait As-Sanam. De dire, d'appeler une statue Wathan, ce n'est pas correct, car al Wathan, c'est ce qui n'a pas de représentation, comme les tombes, comme les arbres, comme les murs, les pierres et autres. ma'na al hadīth. خاف صلى الله عليه وسلم ان يقع في امته مع قبره ما وقع من اليهود والنصارى مع قبور انبيائهم من الغلو فيها حتى صارت اوثانا فراغب الى ربه ان لا يجعل قبره كذلك ثم نبه صلى الله عليه وسلم على سبب لحوق شده الغضب واللعنه باليهود والنصارى Le sens général de ce hadith. Le prophète alayhi wasallam, avait peur que sa communauté fasse sur sa tombe ce que les juifs et les chrétiens ont fait à l'égard des tombes de leurs prophètes, comme exagération jusqu'à ce que ces tombes soient, de, soient adorées en dehors d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a donc demandé à Allah de faire en sorte que sa tombe ne soit pas ainsi, que la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne soit pas ainsi. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a montré les causes qui ont fait que les juifs et les chrétiens ont encouru la grande colère d'Allah ainsi que sa malédiction. Et l'une des causes de cela est le fait qu'ils aient exagéré à l'égard des tombes des prophètes jusqu'à en faire des divinités adorées en dehors d'Allah. Ils sont alors tombés dans le grand polythéisme qui contredit le tawhid. أن الغلو في القبور يجعلها أوثانا تعبد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد وبين ذلك بقوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد Quel est le contexte de ce hadith dans ce chapitre? Le chapitre qui est De ce qui est rapporté dans l'exagération des tombes des vertueux et le fait que cela amène, c'est-à-dire d'exagérer, à ce que ces tombes soient prises comme des divinités en dehors d'Allah. Quel est le, concept, le contexte de ce hadith dans ce chapitre Eh bien, l'exagération à l'égard des tombes amène à ce que celles-ci soient prises comme des divinités en dehors d'Allah. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Oh Allah, ne fais pas de ma tombe une divinité adorée. Et il a expliqué cela sallallahu alayhi sallam en disant, en parlant des juifs et des chrétiens, ou en parlant de ceux sur qui la colère d'Allah sera grande, ceux qui ont pris les tombes de leurs prophètes comme des lieux de prière. Ma hadith ce que l'on retient du hadith, trois choses. La première, que l'exagération à l'égard des tombes des prophètes amène à ce que ces mêmes tombes soient prises comme des divinités adorées. La deuxième chose que l'on retient de ce hadith et que le fait de prendre des tombes comme des lieux de prière fait partie de l'exagération dans les tombes. On ne prend pas les tombes comme des lieux de prière car cela amène au polythéisme. Et la troisième chose que l'on retient de ce hadith, c'est l'attribut de la colère dont Allah Azawajal est doté. Et bien sûr, la colère d'Allah Azawajal est propre à lui Azawajal.

Puis the khalil abu ibn abbas, kaanay al-ruutu sa'wi khalil hajj. ibn abdul et il rapporte de sa chaîne de transmission, selon sofiane, selon, selon mansour, selon Mujahid » dans la parole d'allah azza wa dans surat al »« surat les étoiles, verset 19. A Avez-vous donc vu Al-Lat et Al-Uzza qui étaient deux divinités adorées par par les polythéistes de Quraysh Il a dit Mujahid Mujahid qui fait partie des des grands mufassirin du Coran Il a dit en expliquant la parole d'Allah Azza A Avez-vous vu Allat et al uzza il a dit, il mélangeait pour eux un sawiq sawiq qui est un mélange de blé et d'orge, qui était euh, une nourriture euh, très consistante que mangeaient les Arabes au temps du prophète. Il est mort et ils se sont attachés et se réunissait autour de sa tombe. En parlant de qui ici? De l'at. En parlant de l'at. al ça vient du terme l'atta. Et l'atta, ça signifie mélanger. Il était appelé al car il mélangeait le blé et l'orge avec de, du gras afin que ce soit humide. Il faisait cela jusqu'à ce qu'il soit appelé Allat. Et lorsqu'il mourut, lorsque cet homme qui faisait, euh, qui rendait ce service aux gens mourut, eh bien, ils se sont, euh, euh, ils se sont réunis, ils se réunissaient autour de sa tombe, jusqu'à ce qu'il soit pris comme une divinité adorée. Et Allat était même l'une des plus grandes. Euh, idoles des, des polythéistes. Et ainsi a dit Aboul Jaouza selon Ibn Abbas. Donc, Abou Ibn Abbas également explique cette parole d'Allah Azzawajal, en parlant de l'at, qu'il mélangeait à sawiq pour les pèlerins. Il mélangeait à sawiq pour les pèlerins. at Les biographies. قال الشيخ الفوزان ابن جرير هو الامام الحافظ محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير مات سنه عشر وثلاثمائه رحمه الله ثانيا سفيان الاظهر انه سفيان بن سعيد الثوري امام حجه عابد مات سنه احدى وستين ومائه ثالثا منصور هو ابن المعتمر ثقه فقيه مات سنه اثنان وثلاثين ومائه رحمه الله رابعا مجاهد هو ابن جبر ثقه امام في التفسير اخذ عن ابن عباس وغيره مات سنه اربع ومائه رحمه الله ابو الجوزاء هو اوس بن عبد الله الربعي ثقة مشهور مات سنة ثلاث وثمانين رحمه الله يلت السويق أي يخلطه بسمن ونحوه لي بيوغرافي دونك ici الشيخ الفوزان رحمه الله donne une brève biographie de toutes les personnes citées par l'imam Muhammad ibn عبد Wahhab selon Ibn Jarir qui est l'imam al محمد Muhammad ibn Jarir al-Tabari Celui qui a écrit le meilleur tafsir du Coran, qui est appelé tafsir al-Tabari, qui est mort en l'an 310 de l'Egypte, rahimahullah. La deuxième personne citée est Soufiane. Et le Cheikh Fawzan dit que ce qui apparaît et que Soufiane ici est Soufiane ibn Sa'id al-Thawri, qui était un imam connu pour... Euh, Connu pour le fait qu'il soit un adorateur. Il est mort en l'an 161 de l'Egypte. Rahimahullah. Troisième personne citée est Mansour, qui est Ibn al-Mu'athamir, qui est un digne de confiance, un juriste, qui est mort en l'an 132 de l'Egypte. Rahimahullah. Mujahid, qui est Ibn Jabr, digne de confiance, c'était un imam dans le tafsir. Et c'était également. Euh, il a pris la science de Abdullah ibn Abbas c'était donc un, un, un élève de Abdullah ibn Abbas et d'autres que Abdullah ibn Abbas il est mort rahimahullah, Mujahid, en l'an 104 de l'Egyre Abul Jawza qui rapporte de Abdullah ibn Abbas et Aus ibn Abdullah al-Rab'i un digne de confiance connu qui est mort en l'an 83 de l'hégire, Rahimahullah puis, Achir al-Fawzan explique les différents termes du hadith. Yalut as-sawiq ay yakhlituhu bisaman wa nahwi. 'Akafu 'ala qabri, 'ala qabri, wa wadhabu wa ihtabasu 'alayh. Yalut as-sawiq, il mélangeait le sawiq, c'est-à-dire il le mélangeait avec du gras ou autre. 'Akafu 'ala qabri, se sont réunis autour de sa tombe, c'est-à-dire qu'ils se rendaient à cette tombe, et qu'ils prenaient l'habitude de s'y rendre, et ils y restaient. Ils se rendaient dans la tombe de qui? De l'Ath. Le contexte de ce Athar, dans le chapitre, que l'on explique de Kitab Tawhid. Le contexte est que la cause qui a fait que l'être soit adoré en dehors d'Allah est l'exagération dans sa tombe jusqu'à ce qu'il soit, jusqu'à ce qu'il ait été une divinité adorée en dehors d'Allah. So, لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن اسم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إل الجي صلى الله عليه وسلم أموجي لفانكي في زيت اي إس، كي بخن celles-ci, c'est-à-dire les tombes comme des lieux de prière et celles qui y placent des bougies. Le hadith est rapporté par Ahlus Sunan et al fawzan explique Ahlus Sunan aïb Abu Dawud wa Tirmidhi wa Ibn Majah nasai Ahlus Sunan c'est-à-dire Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah ce hadith n'a pas été rapporté par l'Imam al-Nasai. Zairat il kubour, ay mina nisa, wa suruj, al laveena yuqiduna suruja ala al maqabiri wa yuji'una ha. Zairat il c'est-à-dire celles qui visitent les tombes parmi les femmes. Et à suruj, ce sont ceux qui allument les bougies sur les tombes afin de les éclairer. معنى الحديث اجمالا يدعو صلى الله عليه وسلم باللعنه وهي الطرد والابعاد عن رحمه الله للنساء اللاتي يزورن القبور لان زيارتهن لان زيارتهن يترتب عليها مفاسد من النياحه والجزع وافتتان الرجال بهن ولعن الذين يتخذون القبور مواطن عباده Le sens général du hadith. Le prophète alayhi wa demande la malédiction. Invoque par la malédiction. C'est-à-dire le fait d'être éloigné et d'être exclu de la miséricorde d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, invoque la, invoque par la malédiction les femmes qui visitent les tombes, car la visite des tombes des femmes en découle des choses néfastes, comme les lamentations, comme al le fait de montrer la douleur et le fait également et le fait d'être une tentation pour les hommes. Et le prophète alayhi wa sallam, a maudit ceux qui prennent les tombes comme des lieux d'adoration, ou ceux qui les éclairent avec des bougies ou des guirlandes, car ceci est une exagération qui amène au polythéisme. Hadith lilbab le contexte de ce hadith dans ce chapitre, il y a dans ce hadith une preuve de l'interdiction d'exagérer à l'égard des tombes, car ceci amène à ce que celles-ci soient prises comme des divinités adorées. Ce qu'on nous retient du hadith, premièrement, l'interdiction d'exagérer à l'égard des tombes et de les prendre comme des lieux d'adoration, car ceci amène au polythéisme. Salam. Deuxièmement, l'interdiction d'éclairer les tombes, car ceci est un moyen qui amène à ce que ces tombes soient adorées. Troisièmement, que l'exagération à l'égard des tombes fait partie des grands péchés. Comment est-ce qu'on le déduit Que c'est un grand péché. النبي صلى الله عليه وسلم رابعا أن علة النهي عن الصلاة عند القبور هي خوف الشرك لا لأجل النجاسة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قرن بين اتخاذها مساجد وإسراجها ولعن على الأمرين Quatrièmement, ici, Ashir al-Fawzan dit que la cause de l'interdiction de prier auprès des tombes, c'est la peur du shirk, et ce n'est pas à cause d'une impureté. Le prophète nous interdit de prier auprès des tombes, non pas parce que les tombes sont impures, mais de peur de sombrer dans, dans le shirk. Car le prophète alayhi wa sallam, a comparé le fait de prendre les tombes comme un lieu de prière ou de les éclairer par des guirlandes ou des bougies. Et le prophète wa sallam, a maudit les deux sortes, ceux qui prient et ceux qui les éclaire. Or, si le professeur Assalam maudit celui qui éclaire les tombes, est-ce que c'est parce que les tombes sont impures Est-ce que c'est parce que les tombes sont impures Non. Donc, il en est de même pour les prières. Le professeur Assalam nous interdit de prier auprès des tombes, non pas parce qu'elles sont impures, mais parce que cela amène au polythéisme. Et il est important de connaître ça car certains vont vous dire que les savants qui interdisent de prier des tombes, ils parlent des tombes qui sont impures, là où il y a des impuretés. Mais là, l'endroit n'est pas impur. Et là, on dit stop. Le prophète a interdit de prier auprès des tombes, non pas parce qu'il y a une quelconque impureté, mais parce que ça amène au shirk. ثم قال رحمه الله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يؤصل إلى الشرك وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم في الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنتم لشابتخ de ce qui est rapporté dans la préservation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du tawhid et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ait fermé toute issue qui amènerait au shirk. Et la parole d'Allah Azzawajal dans Surat le verset 128, certes, un messager parmi vous est venu à vous. Auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez. Auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez. La fin du verset est la parole d'Allah qui est plein de motivation pour vous qui compatissent et miséricordieux envers مناسبه الباب لكتاب التوحيد ان المصنف رحمه الله لما بين في الابواب السابقه شيئا من حمايته صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد اراد ان يبين في هذا الباب حمايته الخاصه. De ce chapitre dans le livre du Tawhid. L'auteur, après avoir expliqué dans les chapitres précédents quelques points qui montrent la préservation que faisait le Prophète à l'égard du Tawhid, que le Prophète préservait le Tawhid. Il a voulu montrer dans ce chapitre la préservation. حسن كف صلى الله عليه وسلم بالتوحيد المصطفى هو المختار جناب أي جانب جاءكم يا معشر العرب من أنفسكم من جنسكم وبلغتكم عزيز عليه أي شديد عليه جدا وهو خبر مقدم ما عنتم، ما يشق عليكم ويلحق الأذى بكم من كفر وضلال وقتل وأسر، وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ مؤخر، حريص عليكم أي شديد الحرص والرغبة في هدايتكم، وحصول النفع العاجل والآجل لكم، بالمؤمنين أي لا بغيرهم، رؤوف بليغ الشفقة، Rahimun Puis H.R. El fawzan explique les différents termes cités par l'imam Muhammad ibn Wahab Le chapitre de ce qui est rapporté dans la préservation du Mustafa. Mustafa qui est Al-Muqtar, l'élu. Sallallahu alayhi wa sallam. Janab, le côté du Tawhid. Jaakum, dans la parole d'Allah Azzawajal, dans le verset 128 de Surah At-Tawbah, est venu à vous, c'est-à-dire à vous, ô oh les Arabes. Un messager parmi vous, c'est-à-dire qui fait partie de vous et qui parle votre langue. Azizun lourd. c'est-à-dire que sont extrêmement lourds pour lui, les difficultés que vous subissez. C'est-à-dire, les, les difficultés que vous rencontrez et le mal qui peut vous atteindre, comme mécréance, égarement, comme le fait d'être tué ou d'être emprisonné. Il est plein de motivation pour vous. C'est-à-dire qu'il est motivé et qu'il a la grande volonté de vous guider et que le bien immédiat et futur soit pour vous. Bil-Mu'minin, il est envers les croyants, c'est-à-dire qu'il est uniquement envers les croyants. Raufun compatissant, Rahimun miséricordieux. المعنى الاجمالي للايه يخبر تعالى عباده على سبيل الامتنان انه بعث فيهم رسولا عظيما من جنسهم وبلغتهم يشق عليه جدا ما يشق عليهم ويؤذيه ما يؤذيهم شديد الحرص على هدايتهم وحصول النفع لهم شديد الشفقه والرحمه بالمؤمنين خاصه منهم Leçon générale de ce verset. Allah azawajal informe ses serviteurs dans le but de leur montrer les bienfaits dont il les comble. Qu'il leur a envoyé un prophète immense parmi eux et qui parle leur langue. Et que ce prophète pèse lourd pour lui les difficultés qu'il rencontre, c'est-à-dire que ses croyants rencontrent. Et que lui fait mal ce qui leur fait mal. Et ce prophète est extrêmement motivé à les guider et au fait que les bienfaits les enveloppent. Il est extrêmement compatissant et miséricordieux envers les croyants uniquement. Munasabatul تقتضي أنه أنذر أمته وحذرهم عن الشرك الذي هو أعظم الذنوب لأن هذا هو المقصود الأعظم في رسالته. Le contexte de ce chapitre, de ce verset عفواً, dans ce chapitre. Ces caractéristiques citées qui caractérisent le prophète صلى الله عليه وسلم impose Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mis en garde et averti sa communauté contre le shirk. Car c'est le plus immense des péchés. Et c'est parce que c'est, et c'est également le but immense de son, euh, de son message sallallahu alayhi wa Est-ce que c'est clair? ما يستفاد من الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حذر أمته من الشرك وباعدها منه وسد كل طريق يفضي بها إليه. Ce que nous du verset, que le صلى الله عليه وسلم a mis en garde sa communauté contre le shirk et Deuxièmement, dans ce verset, nous interpelle le bienfait d'Allah azawajel envers ses serviteurs, en le fait qu'il leur ait envoyé ce prophète béni et le fait que ce prophète soit faisbacti du. Troisièmement, médaheu naseb al-Rasoul sallallahu alaihi wasallam min c'mim al-`Arab wa ashrafhum biyitan wa nasaba. Il y a également dans ce verset l'éloge de la lignée du prophète sallallahu alaihi wasallam qui faisait partie des Arabes et parmi les Arabes. Il faisait partie de ceux qui avaient la plus noble des lignées. Quatrièmement, il y a dans ce verset l'explication et la démonstration de la grande compassion et miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers les croyants. Cinquièmement, il y a dans ce verset une preuve de la dureté et de la sévérité du prophète alayhi wa sallam, à l'égard des non-musulmans et des hypocrites. <coughs> وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه ابو داود باسناد حسن ورواته ثقات الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جي اسلو ابو هريره رضي الله عنه Il dit le prophète sallallahu alayhi wasallam, a dit, ne faites pas de vos maisons des tombes, et ne faites pas de ma tombe un lieu de fête, et priez sur moi, votre prière me parviendra où que vous soyez. Hadith rapporté par l'imam Abu, Abu Daoud avec une chaîne de transmission jugée bonne dont les rapporteurs sont dignes de confiance. لا تجعلوا بيوتكم قبورا لا تعطلوها من صلاة النافلة والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور ولا تجعلوا قبر عيدا العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان أي لا تتخذوا قبر محل اجتماع تترددون إليه وتعتادونه للصلاة والدعاء وغير ذلك فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم Aïmayanal, aïmayanal, l'ani minkum minasala, yahsulu Akurbikum kurbikum, wa burdikum min kabri, falahajatabikum ilalmagi iilehi, Maji dialehi. Cheikh al-Fawzal, dit, en expliquant la parole du prophète, ne faites pas de vos maisons des tombes, c'est-à-dire ne privez pas vos maisons de, prier, de prières surérogatoires, d'invocations. Et de lecture, car sinon elles auraient le statut de tombe. Et la parole du prophète, alayhi wa sallam, Ne faites pas de ma tombe un lieu de fête. C'est al -e id en arabe, c'est ce qui vient de façon euh, répétée, ou de façon habituelle, dont que ce soit... Dans un temps donné ou dans un lieu donné. C'est-à-dire, ne prenez pas ma tombe comme un lieu de réunion dans lequel vous auriez l'habitude de venir pour y prier et invoquer ou autre. <susur> Vos prières me parviendront où que vous soyez. C'est-à-dire, que les prières que vous ferez pour moi, et les prières ici, c'est invocation. les invocations et c'est également les éloges d'Allah. Lorsque l'on dit Allahumma salli ala Muhammad, où Allah prie sur Muhammad, c'est-à-dire fait l'éloge de Muhammad auprès des, des habitants des cieux. Et ça, on l'avait vu dans la conférence qu'on avait fait sur la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que vos prières me parviennent que vous soyez proche ou lointain de ma tombe. Il n'y a donc pas besoin que vous veniez dans ma tombe et que vous preniez l'habitude d'y venir. المعنى الإجمالي للحديث. لسان جينيرال حديث. نهى صلى الله عليه وسلم عن تعطيل البيوت من من صلاة النافلة فيها والدعاء وقراءة القرآن فتكون بمنزلة القبور. لأن النهي عن الصلاة عند القبور قد تقرر عندهم فنهاهم أن يجعلوا بيوتهم كذلك. ونهى عن تكرار زياره قبره والاجتماع عنده على وجه معتاد لاجل الدعاء والتقرب لان ذلك وسيله الى الشرك وامر بالاكتفاء عن ذلك بكثره الصلاه والسلام عليه في اي مكان من الارض لان ذلك يبلغه من القريب والبعيد على حد سواء فلا حاجه الى الانتياب الى انتياب قبره le sens général de ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, interdit dans ce hadith de priver les maisons de prières surérogatoires d'invocations, de lecture du Coran, de peur qu'elle n'ait le statut d'une tombe. Car l'interdiction de prier dans une tombe était connue au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a donc interdit de faire de leur maison des tombes. Il a également interdit le fait de visiter sa tombe et de s'y réunir de façon habituelle afin d'y invoquer ou de se rapprocher, car ceci est un moyen qui amène au shirk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de se contenter de prier sur lui de façon, euh, conséquente, dans n'importe quel endroit de la terre, et que cette prière lui parviendra, que cette personne soit proche ou éloignée, et qu'il n'y a donc pas besoin de se rendre dans, auprès de sa tombe sallallahu alayhi wa sallam. وسدا للطرق الموصلة إليه حيث أفاد أن القبور لا يصلى عندها ونهى عن الاجتماع عند قبره واعتياد المجيء إليه لأن ذلك مما يوصل إلى الشرك Le contexte de ce hadith dans ce chapitre, il y a une condamnation du shirk et il y a dans ce hadith une fermeture de tous les voies qui amènent au shirk. Car le prophète alayhi wa sallam, nous explique dans ce hadith qu'on ne prie pas auprès des tombes. Et il a interdit de se réunir auprès de sa tombe et de prendre l'habitude de s'y rendre. Car ceci amène au shirk. Ma min al-hadith. اولا سد الطرق المفضيه الى الشرك من الصلاه عند القبور والغلو في قبره صلى الله عليه وسلم بان يجعل بان يجعل محل بان يجعل محل اجتماع وارتياد ترتب له زيارات مخصوصه ترتب له زيارات مخصوصه يكون حديث اولا لفه كل porte qui comme le fait de prier auprès des tombes et d'exagérer et d'exagérer vis-à-vis euh, -vis de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam en la prenant en prenant sa tombe comme un lieu de réunion ou un lieu de euh, de rencontre dans lequel l'on euh, organiserait des visites particulières ثانيا مشروعيه الصلاه والسلام عليه في جميع انحاء الارض دوزيما qu'il est légiféré de prier et de saluer le prophète sallallahu alayhi wa dans n'importe quel endroit de la terre ثالثا انه لا مزيه للقرب من قبره صلى الله عليه وسلم ثالثا le retien particularité à être proche de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. car les prières et les saluts arrivent au prophète sallallahu quel que soit l'endroit où on se trouve, que l'on soit proche ou loin de la même façon quatrièmement, ce hadith l'interdiction de voyager pour visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam on se rend à Médine pour visiter la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et non pas pour visiter sa tombe cinquièmement, le retien de ce hadith la préservation de فزيه البروفيت صلى الله عليه وسلم جل التوحيد ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك